Madame ? Ouais. Ah, je crois que je vous ai sauvé la vie là, carrément. Hein. Ils allaient vous soulever, à mon avis. La vie de ma mère, c'est moi qui les aurais soulevés, c'est bon ? Sombre histoire, Royal Vietnam. C'est en 69 contre 14 Viet Cong. Elle a rien donc parlé, je te jure, j'ai des flashs qui m'en viennent dans la tête là. Vietnam 69, putain, j'étais pas né moi. Bah, Royal, moi non plus. Ah ! T'es une meuf fidèle ou pas ? Ouais. Genre, ouais, comment ? Comme une michto ou bien. Comme un chien, quoi. D'accord. Les amis, le retour de Metal Gear Hunters. Les gars, j'ai des nouveaux véhicules. En fait, on a rajouté de nouveaux véhicules sur le serveur et dont certains très spéciaux pour Metal Gear Hunters. Alors, il y a ce très très beau véhicule. Celui-là va être disponible pour tout le monde. C'est la nouvelle Tempesta. Celle-là, elle s'appelle l'Astronir ou là, je sais pas quoi. Ça. C'est pour moi ça, c'est uniquement pour moi, ça Roya. Ça c'est une GTR Emerus, ça c'est uniquement pour moi Roya, c'est de la folie. Ça mon pote c'est une dinguerie, c'est comme Tesla, tu vois celui-là d'Elon Musk. Sauf que celui-là c'est, il s'appelle le Savannah, c'est électrique évidemment, c'est super, c'est incroyable. Celle-là c'est une nouvelle américaine, une Gauntlet CX je sais pas quoi. La nouvelle Elegy les gars, elle est là, la nouvelle Elegy GHR R6 ou là je sais pas quoi, elle est magnifique, incroyable. Bon après vous la connaissez la matraineuse, je pense qu'on va commencer par celle-là. Elle est vraiment, elle est pas super rapide celle-là, je parle comme traîneuse, elle est pas super rapide mais elle fait le taf. Normalement il y a Prince qui est là ce soir. Tout à l'heure je me suis connecté une demi-heure, hein. Même pas 10-15 minutes, j'ai croisé Erza, elle travaille à l'hôpital, hein. Elle travaille maintenant au Belize. Non mais sérieux quoi, elle m'a appelé hier, du coup je la rappelle. Tu vois là. Salut Erza la bizarre, comment tu vas? T'as vraiment trouvé que ça comme surnom? Bah franchement c'est le premier nom quoi. Alors dis-moi, comment ça se fait que t'as quitté l'hôpital pour aller au Belize? J'ai pas quitté l'hôpital, on m'a viré parce que j'ai eu une grosse embrouille avec des Lost et tout et des Maras devant l'unicorne, t'as vu? Il y avait la Mara qui était en galère, genre vraiment elle était païen, du coup je l'ai pris en charge en priorité. Et j'ai pas pu m'occuper de tout le monde, tu vois, parce qu'au bout d'un moment. Ouais, j'ai capté, voilà. C'était la merde quoi. Bon, dis-moi, alors sinon, voilà. T'as trouvé un DJ, tu m'as dit 4 personnes aussi que t'as trouvé? Yes, je vais aller les voir, il y a 2 videurs et 2 barman. Que des gays quoi, que des hommes quoi. Non, il y a une fille aussi. Ah, ça m'intéresse ça. Quand ils sont tous disponibles, bah tu me tiens au courant, d'accord? En vérité, pour les videurs, moi j'ai déjà trouvé de mon côté. Maintenant, c'est vrai qu'il me faut barmaid et hôtesse d'accueil quoi. Oh. Et des danseuses quoi, tu vois, comme je t'ai dit, il y avait des danseuses et tout. Ok, voilà. Combien de danseuses? 3-4 hein, maximum, c'est bien hein, en vrai. 3-4, des danseuses? Ouais, des danseuses, bah ouais, c'est une boîte de nuit, ma gueule. Tu crois quoi, c'est un kebab? Mon kebab, il y a un truc qui danse et le truc qui tourne avec la viande. Bon, et bah vas-y, alors tu me tiens au courant, ça marche? Salut. Allez, salut, l'air de la bizarre. Voilà. Oh bizarre frère, c'est une dinguerie, vraiment c'est une dinguerie. Eh, vous en pensez quoi de la voiture? Elle est bien ou pas? En vrai elle est stylée. Après ouais non, celle-là je peux la faire au Benny, c'est pas grave. Mais pour les autres véhicules là, la Savannah et tout, laisse tomber. Oh non le. Non. Ah je vais pas me faire avoir deux fois. Hein. C'est bon, je sais qu'il y a. Ouais. Quoi que je t'ai pas vu, espèce d'enfoiré, va. Ça me dégoûte là. On a de l'argent comme ça sur le dos des pauvres. Le dos des pauvres, ils ont pas honte. On a travaillé toute notre vie. On a roulé dans des voitures de merde toute notre vie. Et maintenant qu'on a. Un petit peu réussi, ça va lui mettre des bâtons dans les trous, ça me dégoûte. Hop là. Ah c'est les White. Ah ouais, on doit faire la mission avec les White aujourd'hui, on a récupéré le véhicule de police et tout. C'est vrai, c'est aujourd'hui. Attends, j'ai peut-être raison. Oui, allô. Ouais, t'as raison, ça va ou quoi? Ça va et toi, tranquille? Ouais, tranquille. Dis-moi, là, je suis au Belize avec des Béniziens. Tu veux qu'on se capte après? J'ai un truc à te demander par rapport à hier, tu te rappelles? Ouais, vas-y, je suis chaud quand tu veux. Tout ça, je vais venir au Belize et remettre ma voiture en blanc, là. Ah bah vas-y, bah j'y suis alors, à tout de suite. Vas-y, ben à tout de suite. Ouais, bien quoi, le Ouais, ça va quoi, les White? Tranquille? Kilo et ça toi? Va. Ouais, je viens d'avoir Tarzan, là, au téléphone, il va débarquer. Ouais, je pense que ton Belize a entendu, hein. Ouais. On a tout entendu. Ah merde, ah ouais d'accord, j'ai crié, merde. Ah mais c'est ça en fait, quand t'es riche, t'as envie que tout le monde le sache quoi, c'est ça le problème. Normal, mais ça c'est quoi cette coche derrière là? Ça c'est une nouvelle voiture ça, elle s'appelle la Astronir je crois, un truc comme ça. Non pas Astronir, Astéroïde, Astérop. Ouais Walid. Ouais ça va quoi? Ouais ça va quoi? Ouais ça va mieux. Ah vas-y j'arrive. Vas-y à tout de suite. Alors Roya, tu me mets orange métallique s'il te plaît. Voilà. Vas-y bon gars, c'est bon. Je crois 16335. Vas-y let's go. Ah tu veux quoi? Oh Tarzan ça va quoi? Tranquille. Vas-y monte, on va se parler en 2 minutes. Hier t'étais un peu pris hein. Oh franchement hier t'étais mouvementé. Ouais j'ai vu. En gros Roya, tu vois je traîne avec des petits là, Walid et puis comment il s'appelle l'autre là, Van et. Le mécano Walid. Ouais le mécano ouais. Et en gros t'as vu hier je pour savoir si c'est vraiment un mec de confiance et qu'il a les épaules quoi tu vois. Je lui ai demandé une petite mission. Je lui ai dit ouais va me trouver une voiture de police. Sauf que ouais. Vas-y, ils ont galéré à deux, c'est des schlags, tu vois. Du coup je suis passé par tes gars à toi. Sauf que toi t'étais occupé à ce moment-là. Et vu qu'ils commencent ouais. Un peu à faire tard, je leur dis bon les gars, vas-y on fait ça demain. Donc en gros ce okay. Soir, si t'es chaud, tu vois. Alors Walid, il va vous passer 10 000 $ et vous lui choper, okay. Tu vois, une voiture de flic et vous la ramener à un point A, quoi, tu vois. Ok, vas-y. Mais c'est pourtant la voiture ? Non. En gros, vous allez avec Walid, tu vois. Vous allez, on vous les accompagner. Ouais, bien sûr. Faites okay. Pas le travail à sa place, tu vois. En gros, vous l'accompagnez, ouais. Tu vois. Si jamais ça part en couille, vous braquez la police et puis voilà, quoi, tu vois. Ok, d'accord. Vous êtes le bras armé, quoi, tu vois. Si ça marche. Ouais, et tu me diras s'il a stressé, s'il a bégayé ou quoi, d'accord ?
Ok, vas-y, vas-y, t'inquiète, je surveillerai de près. Vas-y, t'es un bon. Et je vais l'appeler là, je vais le briefer parce qu'il est le avec la police ou je sais pas quoi là. Ah, il est là. Walid. Monte, Walid. T'as de la chance, t'es fraîche. Wesh. Monte. Wesh. Bon, Walid. Ouais, on est avec Tarzan là, c'est le OGD Wise, d'accord. Ça va, Walid, la forme. Très bien, et vous, monsieur? C'est avec lui que tu vas faire la mission ce soir de la police, d'accord? Oui, monsieur. Écoute, c'est toi qui va faire la mission, mais eux ils vont t'accompagner, c'est bon ou pas? D'accord, c'est moi le cerveau et eux c'est les mains. Voilà, donc vous, là tu restes avec lui ou je sais pas, vous changez vos numéros. Vous faites ce que vous avez à faire et puis ensuite bah vous m'appelez, d'accord? Vas-y, oui, pas de problème. Incroyable la nouvelle voiture. Ouais, merci, ça fait plaisir. Trop bien. Beaucoup trop cher pour toi, quoi. Vas-y, je te dépose là, Tarzan. Je t'appelle après du coup. Ouais, vous m'appelez après, ouais. Oh merde, il m'a fait peur. Putain, c'est 80 km/h ici. Casse la tête, tu vois. Salut. Eh, dis-moi, y'a Luc Lupiou ici ou pas? Un collègue à toi. Il s'appelle Luc Lupiou. Non, je le connais pas du tout. Attends, peut-être dans l'annuaire, il y a son numéro. Salut. Ouais, il y a son numéro. T'as de connoté ou pas? Ah ouais, j'ai de connoté, vas-y. 739-349. Oh, t'es un bon. Parce qu'apparemment, lui, il a mis un préservatif dans les hamburgers, les mecs. Ah bon? Ouais, j'étais convoqué par la police et parce qu'un mec, il a porté plainte pour manque d'hygiène et tout. Ouais. Oh lolo. Donc là, putain, faut que j'ai des problèmes en bas. Attends, je vais appeler Luc. Je vais lui laisser un petit message. Eh hey, les gars, prenez mon numéro si vous avez un souci. Appelez-moi. Là, je vais ouvrir mon entreprise, là, le Galaxy. Est-ce que vous connaissez des danseuses ou pas? Vraiment pas. Non, d'accord, ok. Vas-y, ça marche. Bah écoute, je vais continuer à prospecter pire, alors. Au pire, ce que tu peux faire, c'est que tu demandes les meufs du unicorn. Parce qu'il y a des meufs qui travaillent. Des danseuses, je crois. Ah ouais? Vas-y. J'ai le numéro de la patronne. Ouais, ok, ça marche. Vas-y, les gars, si vous avez besoin de quelque chose, vous m'appelez, d'accord? Vas-y. Allez, tout de suite. Allez, bisous. Oh, il est en train de taguer, lui. Oh, attends, mais c'est qui ça? Eh, hey, mais qu'est-ce qu'il fait? Ça, Jay-Z, espèce de malade. Ça tient un baiser ou quoi? Ah, tu fais des profités, je pars. Jay-Z, ça va ou quoi? Putain, tu m'as fait peur. Ouais. J'allais te goûter, mais t'as mis ton numéro. Ah ouais? Pourquoi? Ah ouais? Une petite meuf qui passe par là. Putain, mais t'es pas con, toi, hein? Eh, on travaille dans la communication ici, hein. C'est 030374, c'est ça? Non, c'est un 9. Donc, il est où? Putain, je dessine si mal que ça. Il est où le 9? C'est lequel? C'est là. Ah 9, oui, c'est un 9, ouais, c'est un 9, ouais, c'est vrai. Je voulais te dire, écoute, j'ai ouvert le Galaxy là, et j'aimerais savoir si tu connais des numéros de meufs pour faire des danseuses et tout. Bien sûr, tu veux que des numéros de meufs, vas-y, je te donnerai pour toi. Je veux que ça, alors, je veux que ça. Alors, Octavia, Sarah, Andrea, Ria, Beyoncé, Erza, Inaya, Lizzie, Manju, wow. Maria, t'en veux d'autres, j'ai Molly, j'ai... Attends, t'as pas un bureau où on peut se poser tranquille? Ouais, vas-y, viens. Oh putain, c'est stylé chez toi là. Eh ouais, vas-y, viens dans les bureaux, je te vois. Okay, vas-y. Putain, tu te mets bien. J'aime bien ton flow, hein. Mais pourquoi ça s'appelle Richie Deluxe si tu t'appelles Jay-Z, toi? Bah, c'est parce que si tu veux, en fait, c'est le patron, il s'appelle Richie. Je vais te présenter le patron, c'est lui là sur la photo en face. Putain, oh comment il est beau. Ouais. C'est lui là. Non, arrête, il est beau. Le raid d'Alta Street. C'est mon exemple. Ah bah putain, bah change d'exemple, regarde là, ça va pas là. Oh la touffe, elle est trop moche. Ça va, regarde, ça c'est mon petit chien. Hey. Ouais, j'ai peur des chiens, mais t'es un malade ou quoi toi? Wesh. Qu'est-ce qu'il y a? N'aie pas peur, t'as peur. Mais j'ai peur, croyant, mais t'as vu la tête du chien? Hey, il va pas bouger d'ici, tu verras. Vas-y, ok, ça marche, je te fais confiance, regarde. Vas-y, mais t'es quoi, viens, on va aller dans le bureau de Richie si t'as peur du chien. Ah ouais, le chien là, bouge pas toi. Bouge pas, c'est le cabot, va. T'as vu, juste ça c'est moi, tu vois. Il y a marqué le nouveau rat, mais c'est pas vrai, moi je suis pas un rat, moi. Putain! Allez, Hespre. Ah ouais, d'accord. Alors, Jay-Z, là. J'y suis tout, oui. Ah, sombre histoire, Royal Vietnam. C'est en 69 contre 14 Viet Cong. Ah ouais, putain. Elle a rien que donc parlé, je te jure, j'ai des flashs qui m'en viennent dans la tête, là. Vietnam 69, putain, j'étais pas né, moi. Ah bah, Royal, moi non plus. Ah! Ouais, mais j'ai lu du bouquin, du coup, c'était de l'acteur studio, Royal. C'est... En fait, je m'inspire des personnages, tu vois. Ah ouais, putain, toi, t'es en vrai. Ouais, toi, t'es DiCaprio. Ouais, bah, on est là, Royal, on est là, ouais, acteur studio, Royal. Là, je suis en mode Metal Gear Fantasy, là. Solid Snake, il a un bandana sur l'œil comme ça, bah c'est pareil. Eh ouais, je connais. Eh ouais, mon pote. Vas-y, comment ça se fait que tu connais autant de meufs? Bah, tu connais. Je fais next. Vas-y. Ah ouais? Tu veux que t'organises le next à toi aussi? Sérieux? Bah, si tu veux, tu me dis, moi je t'organise le next. Ouais, je vais bien. Et à moi, je connais déjà Sarah et Octavia. Eh, tu veux faire next ou pas? Ouais, je vais faire next, bien sûr. Vas-y, je t'organise le next. Vas-y. Tu veux faire ça quand? Bah, quand c'est prêt, quoi. Bah, tu me dis, moi je fais ça en 3 jours, c'est fait. J'appelle Octavia. En 3 jours? Ah ouais, sérieux? Et c'est quoi le principe en fait, vas-y? Bah je t'explique, on a un bus, on a des meufs dans le bus, elles veulent qu'une chose, c'est de pécho, ok? Oh là là, ah je suis chaud, mais ah, en c'est fait, bon, je suis chaud. On va leur proposer, c'est soit elle passe une minute avec toi, soit à la fin du rendez-vous, imagine elle a passé 20 minutes avec toi, soit elle prend 20 000 $, soit elle prend le deuxième rendez-vous pour aller faire un peu plus, tu vois ce que je veux dire? Ah putain, ouais, je vois, c'est moi, des ça ou c'est marché, des j'ai trouvé l'amour comme ça. Ah ouais, c'est qui? Alors quoi, peut-être que j'écris pas ma meuf, parce que je crois qu'elle va oublier que c'est ma meuf. Ah ouais, j'avoue, ouais. Elle s'appelle, je sais pas plus comment elle s'appelle. Ah, merde, moi, j'appelle Beyoncé, elle s'appelle... Elle travaille, tu sais, au côté, là, le magasin de vêtements. Oui,
oui, c'est Vanessa. Vanessa, voilà, putain. Bah oui. Beyoncé, moi. Mais putain, mais je savais que. Elle, c'est une michto du fou. Ouais, bah, tu sais, elle a préféré prendre le deuxième rendez-vous plutôt que l'argent, donc c'est pas ah ouais vrai. T'es sûr qu'on parle de la même veine, non? Ouais, avec cheveux blancs, elle a un tour rose. Ouais, c'est ça, ouais, exactement, ouais. Mais c'est une michto, elle. Oh, laisse tomber, regarde. Eh, s'il te plaît, passe-moi le numéro de meuf, du coup, pour les danseuses. Ah, du coup, tu veux des danseuses d'abord? Bah ouais, je vais pour le Galaxy. Ok, c'est dans la poche. Voilà. Vas-y, je te donne combien de temps. Tu veux faire un mec, tu m'envoies un mail et puis je l'organise, ok? Ouais, du fou, non, je suis chaud des fous. Tu veux faire? Ouais, je suis chaud des fous là. Ouais, laisse-moi 4 jours. 3-4 jours. Ça veut dire genre vendredi? Ouais, vendredi, c'est parfait. Vas-y, vendredi, ça fait. On fait comme vas-y, ça. Vas-y, on peut aller vite fait faire envoyer les petites photos. Ouais, vas-y, bien, on fait ça. Attends, je rappelle juste le numéro là. Ouais, allô? Allô? Ouais, c'est. Wesh, ouais, allô, c'est vrai, quoi? Ça va, beau gosse? Ouais, c'est qui, attends? Ouais, c'est Junior. Mais comment ça, c'est Junior? Tu te rappelles pas de nous? Mais non, t'es qui, putain de merde? Ah si, on a fréquenté une petite chinoise en boîte de nuit tous les deux. Quoi? Ouais. Tu te rappelles pas de nous? Attends, Jay-Z, y'a un mec qui m'appelle, il est trop bizarre, il me dit j'ai fréquenté une petite chinoise avec lui, il a pété un câble. Attends, tu t'appelles comment? Je m'appelle Junior! Junior comment? Tu poses trop de questions là. Mais attends, mais pourquoi tu m'appelles? Tu veux quoi en fait? Qui t'a donné mon numéro déjà? Il m'a dit de pas vous le dire. Bon, vas-y, viens, je fais un truc. C'est Walid, c'est Walid! Fils de pute, ok. Vas-y, tu sais quoi? Je vais Weasel, je fais des photos et j'arrive, je te dégomme. Vas-y, c'est bon? Bah, tu me rappelles. On se bat, vas-y. Okay, vas-y, t'inquiète, on va la faire ici, mets-toi là. Ah, vas-y. Je fais une petite pause. Ouais, vas-y, tu veux que je danse même si tu veux. Non, fais une petite pause, beau gosse. Vas-y, ok, ça marche. Oh ouais, là c'est bien là, putain, je suis posé ouais, au calme. Ouais, comme ça, t'es beau gosse là. Ah ouais, là je suis beau gosse au calme. Ouais, t'as vu, là je suis posé au calme, je vais trouver des meufs et tout au calme. Non, je vais juste me mettre un peu plus comme ça là. Ah. Ouais, t'inquiète, on est là au calme. Y'a des meufs qui vont venir au casting là? Ouais, t'inquiète. Regarde, va sur le Weasel News. Ouais, vas-y. Ah oui, next, je l'ai. Casting, next, Jay-Z. Voilà, clique dessus, tu vois la petite photo avec moi. Ah, oh, beau gosse. On va te faire la même. Vas-y, ça marche. Vas-y, t'es Jay-Z. Ça marche. Vas-y, bisous. Je vais bien le dégommer. Tiens, bon. Oui, allô. Ouais, Willy, ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi? Ouais, tranquille, tu fais quoi? Ben, on va commenter l'opération. Ok, vous êtes où? Dans leur quartier. Dans leur quartier? Vas-y, j'arrive. Ouais. Attends. Il y a un mec qui m'a appelé, à ce qui paraît, tu as donné mon numéro de téléphone, il s'appelle Junior. Oui. Et oui, pourquoi c'est vrai. Et pourquoi? C'est qui? Pourquoi? Vas-y. Non, attends, il y a le réveil qui parle là, je te rappelle plus tard. Ah ouais, d'accord, j'arrive de toute façon, j'arrive. Vas-y. Walid, pourquoi t'as passé mon numéro de téléphone? Oh là là. Tu veux vraiment que je te réponde? Mais oui, c'est qui ce mec? Pourquoi? Junior, c'est mon gars sûr, putain. Ah, c'est ton gars sûr, baisse les mains, c'est bon. Bah non, c'est pas, je vous ai pas rêvé. Putain. Vas-y, tenez-moi au courant, bisous. Allez, t'inquiète. Allô? Ouais, t'es où? Je suis au Suburban. C'est où ça? Lequel? À côté du Burger Shot? Vainwood. Ramène-toi. Vas-y, j'arrive. À tout de suite. Ouais, mon joue, ça va quoi? Ça va bien? Oh merde, j'ai tout flashé sa mère. C'est qui? Ouais, c'est Mathieu Rennes. On s'était capté une fois sur. On sait, cette voiture avec la voiture super sportive dans le fossé et tout. Oh oui. Ouais. Ça va, tu vas bien? Bah super, et vous? Ouais, tranquille, c'est Jay-Z qui m'a passé ton numéro de téléphone. Et là, j'ai repris la boîte de nuit, le Galaxy. Tu vois où c'est? C'est à côté du permis auto là. Oui, je vois. Voilà, ouais, et je cherche des danseuses. Ah, mais je suis pas vraiment une danseuse. Hein. Bah, je me suis dit indienne, danse du ventre, danse indienne. Je me suis dit peut-être ça match quoi, Bollywood, tout ça. Ouais, mais j'en fais pas mon métier si je suis loisir. Ah ouais, bah, ouais, bah ça aussi c'est pour le loisir quoi, genre s'il y a une soirée tu viens, tu danses et puis voilà quoi. C'est pas ça. Vas-y, ça marche, bah vas-y, bon courage. Allez, bon courage. Allez, bon courage. Allô? Ouais, t'es où? Je suis là. Regarde, tu vois pas, retourne-toi dans le magasin. C'est toi en train de m'habiller avec les. C'est toi le Renoir là? Ouais, c'est moi. Ouais, t'es dans la merde, j'arrive. Quoi? Bonjour. Wesh, Renoir, ça va ou quoi? Ouais, attends, enlève ton cul. Non, je reste là. Ouais, celles-là sont bien. Donc c'est toi, Junior? Ouais, viens, on va se goumer. Attends. Mais non, tu vas finir à l'hôpital, ça sert à rien. Bah, en fait, c'est vrai, en plus, je me suis bagarré contre un mec. Oh, oui. En vrai, il est trop stylé. Il m'a couché. Ah, viens, on bouge de là parce que les murs ont des prothèses, viens. Et j'ai appelé Walid pour savoir qui t'étais. Il a pas voulu me dire. Mais tu te rappelles plus? Comment ça, je me rappelle plus? Mais tu te rappelles pas, c'est grave. Mais voilà, je me rappelle venir. Mais ça va revenir dans ta tête, ça mais va il revenir. M'a dit comme quoi t'étais une grosse pite. C'est comme ça qu'il t'a décrit. Il m'a dit ah oui, t'inquiète pas, lui, c'est mon gars sûr, c'est une grosse pite. En fait, c'est parce qu'avant, j'étais avec un mec qui s'appelait Joey. Et en fait, bah, lui, il disait à tout le monde, j'étais ça, voilà quoi. Eh, je sais pas pour toi, mais tu vois, ce magasin-là, il me rappelle tellement de souvenirs. Ah ce magasin-là. Ah oh ouais, pépile, ça, c'est trop. Bon, c'est trop. Bah, la semaine dernière, il y a eu des trucs ici. Ah ouais, il y a eu du sale, hein. Ah, il y a eu du sale. Ah, puis, des très très sale. Attends, tu t'appelles comment, tu m'as dit? Je m'appelle Junior. Et comment ça se fait que tu m'appelles aujourd'hui? Attendez. Il se passe quoi avec Walid et tout? Vas-y, dis-moi, c'est quoi les bails? Walid, je le connais depuis longtemps. Ouais. Et il m'a dit, si tu veux des gens bien compétents dans la ville qui font du sale. Ah ouais? Ouais. Tu fais du sale, toi?
Et il m'a dit, bah, tu t'appelles ce numéro. J'ai appelé direct. Il m'a dit, j'ai dit, comment il s'appelle? Il m'a dit, vas-y, tu fais quoi comme ça? Avant, quand j'étais petit, par exemple, je volais des goûters. Après, je faisais des graffitis à l'ancienne. Non, mais à Los Santos, qu'est-ce qu'il fait à Los Santos? Bah, je. Rien. Salut, une petite réparation, s'il te plaît, chef. Voilà, s'il vous plaît. Ouais, pas de problème. Allô. Ouais, salut, c'est Willow. Ouais, c'est Willow, dis-moi. Ouais, salut, c'est Mathieu Khanes, c'est Jay-Z qui m'a passé ton numéro de téléphone. Ouais, dis-moi. En gros, je t'explique, là, j'ai acheté le Galaxy, tu sais, la boîte de nuit, et je cherchais des hôtesses d'accueil ou bien des danseuses, tout ça, là. Je sais pas si t'es intéressé, donc je t'appelle. Danseuse, non, mais peut-être hôtesse d'accueil, pourquoi? T'es dispo comment, là, dans la soirée? Là, maintenant, tout de suite, je suis pas dispo, mais un peu plus tard, je serai dispo si, de toute façon, j'ai ton numéro et je te rappelle. Vas-y, exactement, okay, ça marche, on fait comme ça. Vas-y, salut. Vas-y, big up boy. Big up boy, c'est qui celle-là? Ouais, Inaya, ça va ou quoi? C'est Mathieu Khanez à l'appareil. Ado, c'est qui? C'est Mathieu Khanez. Bah, en gros, c'est Jay-Z, il m'a passé ton numéro de téléphone, je suis le patron du Galaxy, tu sais, la boîte des nuits. Oui. Et tu connais Erza ou pas? Oui, voilà, c'était par rapport à tout ça. Elle voulait savoir si tu voulais faire barmaid ou hôtesse d'accueil, des trucs comme ça, quoi. Ah oui, elle m'avait proposé à moi et à mon collègue. Nous, on sert du taf à mort. Oui. D'accord, vous êtes disponible comment dans la soirée, là? Je peux vous rappeler, là, c'est pas disponible pour le moment. Ouais, bien sûr, y a pas de soucis. Je peux vous rappeler? Bien sûr. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Va faire ce que t'as à faire, je t'appelle quand j'ai fini. Vas-y, Roya, ça marche. Hein. Bah non, tranquille, Roya. Allez, bisous. Bisous. Oui. Bon alors, elle est où la voiture? Bah, on l'a perdu de vue. Putain, je suis derrière vous là. Ouais, ça, on l'a vu que t'étais derrière nous. Putain. Attends, j'entends les flics. Ah, ouais, on entend les flics. Derrière, voiture. Même devant, y'en a partout. Et suivez, qui dit droit sur vous. Là. Ouais, allô? J'ai le burger. Ah ouais, le burger? Double steak, comme demandé, le big burger. Nous c'est bon. Nous, on a le. Vas-y, je vous envoie une pause, d'accord? Vas-y, envoie la pause. Vas-y, à tout de suite. À tout de suite. Ouais. Ouais, t'as reçu? Ouais, j'ai reçu. On avait trouvé encore des véhicules qui nous ont suivis, on les a semés. Ah, nice. Vous arrivez là? Ouais, c'est bon, on est là. Assurez-vous que le burger n'est pas périmé. Hein. Non, bien évidemment, pour l'instant, il est encore chaud. Ok, ça marche, vas-y, bah, je vous entends alors. Vas-y, on est là dans 2 km. Allez, à tout de suite. Là, venez, suivez-moi. Voilà, là, on est bien là. Il n'y a pas eu de blessé, il n'y a pas eu de mort. Non, c'est bon. Il y a eu du stress, l'adrénaline. Ça a bougé, mais heureusement, j'ai été bon pilote. Bah, ouais. Vanessa, à un moment, a eu un petit souci, donc bim. Ouais. On l'avait perdu en chemin. D'accord, et ça n'a pas tiré? Non, ça n'a pas tiré, aucun tir. Vous les avez bloqués, vous avez fait comment pour bloquer le véhicule là? En gros, je t'explique, mes gars, ils sont allés jusqu'au parking rouge, ils se sont arrêtés. Toute la police est arrivée, donc 3 véhicules, mais on a vu comment ils étaient dedans. Ils sont arrivés par derrière, du coup, on était plus, on les a braqués. Voilà. On a récupéré le véhicule, on a fait ça. Ils nous ont surtout pas vu par l'arrière. Ils n'ont pas vu arriver derrière, c'est ça le problème. Rolly, t'as l'argent direct ou pas là? Non, j'ai pas l'argent. Ok, bah on réunit l'argent et puis on se donne rendez-vous après. Allez, du coup, Vas-y, ça marche, t'as pas une voiture pour t'es où là? Tarzan, viens. J'ai oublié, il y avait un parking, je me suis garé ici là. Ah là, je t'aimais bien. Oh là là. Vas-y. T'es bon, merci. Vas-y, on se pète plus tard. Ouais, ça marche. Allez, bon courage. Et du coup, pour Vanessa, ça se passe comment? Je sais pas, elle a. Tu sais qu'elle a fait Nex, elle est sortie avec Jay-Z? Ah, quoi? Ouais, apparemment, il y a eu des rumeurs. Elle disait oui, non, tu es pas avec. Bah là, j'étais avec lui tout à l'heure, il a dit je te manque bébé. Il m'a dit bon, c'est pas ma meuf, mais vas-y, tranquille, on fait comme quoi? Ça. Ouais, je l'ai dit, j'étais une petite cata, toi, en vrai, toi. Mais attends, c'est ma meuf. Qui ça? Vanessa. Mais ouais, c'est la meuf de tout le monde, regarde. Oh putain. Oh, elle m'a pas dit ça, elle. Quoi? Mais t'es une vraie petite cata, toi. Quoi? Mais ça tire. Attends, je te rappelle. C'est vous qui avez tiré? Non, ça tire l'autre, dans le port, l'autre côté là-bas. Ah, ok. Vas-y, on se pète. Vas-y, à plus tard. Attends, c'est qui là? Ah, c'est Vanessa. Mais t'es une vraie petite catin, tu vois, en fait, tu m'as pas dit. De quoi? Mais t'es la meuf de Walid? Je suis pas la meuf de Walid. Ok, Walid, tu te fous de ma gueule. Mais c'est. Mais c'est réel en fait là ce que t'es en train de faire là. Je suis ton mec. Oh, c'est trop romantique. Attendez, mais continuez, c'est trop romantique avec les bruits de balles et tout, vas-y. Écoute. Que j'étais consentante. Depuis que je t'ai dit t'es ma meuf, tu m'as pas dit non, ça veut dire que oui. Mais j'ai pas arrêté de te dire, mais. Non, tu m'as pas dit non. Bah vas-y, dis-lui non maintenant. J'ai dit non. Voilà, c'est bon, t'entends. Ok, elle était pas avec nous depuis tout à l'heure, elle m'a dit déjà à Mathieu qu'on est ensemble. Voilà. C'est faux, j'étais avec eux, tu vois bien que t'es avec. Bah attends, j'appelle Tarzan, mais je crois que j'appelle Tarzan. Eh, Walid, toi je te connais, hein, t'es vraiment au trouble fête, toi. Comment ça, j'ai un trouble fête? Ouais, toi t'es un monde haram un peu quand même. Elle était pas avec nous et elle m'a dit 10 000 dollars. Je lui ai dit 10 000 dollars pour que je dis que t'es avec nous. Elle a dit 5 000. Elle était prête à payer 5 000. Eh ouais, il est trop tard. Non, on verra ça plus tard. Faut qu'on la fasse péter la voiture là, faut qu'on la fout dans l'eau, je crois. Mais attends, ça tire de fou là. Ça serait du côté ou quoi là? Filmez. Ah mais c'est les flics. Ah ils s'entraînent, c'est session de tir. Venez, on va aller voir. Attends, on va pas aller les voir avec ce véhicule. Non. Écoute, on va voir si vous êtes... Ça se trouve, c'est vos collègues, hein. C'est sérieux. On y est. Oh putain.
Attends, Vanessa, bouge un peu ton cul là, vite fait. Voilà, oh, tu viens. Voilà. Oh, nickel. Merci, bonne. T'as fait tanguer un peu la voiture. Attention, t'attends, j'aime bien les raccourcis, moi. Attention. Nickel. Salut les collègues, comment allez-vous? Comme ça, oui. Ah, tranquille, c'était ici pour le stand de tir. Oh, ça tire sa mère, c'est pour l'entraînement, on est d'accord? C'est une formation là, monsieur. C'est qui? C'est une formation. C'est 54, monsieur. Et je viens de Liberty City. On m'a affecté il y a pas longtemps là. Du coup, je viens faire un petit tour. De toute façon, je retourne là ce soir, je retourne à Liberty City. Je voulais juste voir un petit peu comment ça se passe de votre côté, quoi. Toi, j'ai ramené mon arme de service, c'est trop jamais s'il y a besoin de tirer sur des petits malotrus, quoi. C'est un entraînement, vous inquiétez pas. Oh, ok, ça va. C'est quoi, c'est un entraînement en béton en armée, c'est quoi? Revenez là, revenez là. Non, mais je rentre pas, je regarde, vous inquiétez pas. D'accord. Ok, ouais, ça marche. C'est vrai qu'au niveau de l'équipement, c'est pas ouf, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut. C'est quoi, c'est anti-impact 10 balles, c'est quoi ça? C'est pour bien se passer, vous inquiétez pas, monsieur. Bon, par contre, on a eu les ordres, personne doit rentrer. Ah, mais là, pour le moment, on rentre pas, donc ça fait plaisir. Hein. Ah, bah oui, non. Et vous appelez comment? Moi, c'est Mathieu Crawford. Bonsoir. On a entendu tirer, je me suis dit peut-être les collègues ils avaient besoin de renfort, donc on est arrivé, quoi. Voilà, voilà. Il s'appelle 54 d'après City. Voilà, Mathieu Crawford, effectivement, je viens de Liberty City. Voilà, la statue de la liberté, ça fait toujours plaisir. Comment ça se fait que vous avez un taser vert et vous un taser jaune? Les orbes SSO et les spinies, monsieur. Putain, y a du racisme, même au sein de la police, ça me dégoûte. Là, j'en ai marre, je vais en faire part à mes supérieurs, là. Bah écoutez, ça me fait plaisir, en tout cas, nous on va retourner à nos occupations. Et puis, bah, prenez soin de vous, hein. Allez, au revoir, monsieur. Dame. Oh putain de merde, comment c'est passé crème? Oh, t'as vu, j'ai pas bégayé, rien du tout, c'est passé crème. C'est pour ça que c'est passé crème, parce que t'as pas bégayé. Direct, Mathieu Crawford, 54, Liberty City, c'est fusé, quoi, dans ma tête. Putain de merde, s'ils savaient ce qu'on a fait avec leur véhicule. Allez, accrochez-vous, les gars. Oh, celui-là, il est pour moi. Oh, celui-là, il est pour Bibi. Oh, celui-là, il est pour Bibi. Ça va, tout se passe bien? Ouais, pour l'instant ça va. J'étais... Allez, viens, on sort. Hop, c'est bon, on s'est débarrassé des preuves. Oh, calme. Ça va, Mathieu, finalement. Ouais, t'as raison, ça va ou quoi? Dis-moi, Vanessa, t'étais avec vous tout à l'heure ou pas? Franchement, je suis là de ou quoi? Elle arrivait en cours de route. On est allé la récupérer. Ouais, voilà, mais après, elle est restée avec vous, quoi. Après, elle était avec nous. Ouais, voilà, parfait, vas-y, ça marche. Vas-y, on va retirer, on se capte après. T'as une petite pause ou pas? Non, j'ai un truc à faire, mais tout à l'heure, ouais, je suis bon, on se capte. On prend l'argent et puis on se capte après alors. Non, mais vas-y, Walid, c'est trop. Quoi? J'ai fait quoi? Tu aimes trop mentir, toi, c'est grave. Ouais, je suis en train de dire que t'as menti. Arrête-toi là, ça y est, c'est bon. Non. Allez, Oscar, bisous. Moi, je suis un menteur. Oh, miskin. Bah, il t'a traité de menteuse, il t'a traité de michetot. Il m'a dit, ouais, c'est ma meuf et tout, alors. T'es pas sa meuf, quoi. T'es la meuf de tout le monde, je lui dis. Bah, ouais, déjà. Bon, mais vas-y, on fait demi-tour, alors. Mais il repart en skate. Allez, monte. Arrête de faire la gueule. T'as dit, j'étais à mi-toi, alors que j'ai... T'es Vanessa, la mi-toi, putain. Allez, monte, dépêche-toi. Merci de les bouges. Dépêche-toi. Allez, monte. Ok, je monte, mais pas parce que t'as dit que j'étais pas un mytho. C'est bon, ok, t'es, la me... okay, t'es le mec de ce Vanessa, soir, c'est bon. Voilà. Putain. Je préférais la première version, moi, personnellement. Tu vas trop vite en train de Vanessa, je sais pas, faut que tu vois la date avec mon père. C'est trop, C'est ma putain de bagnole. C'est ma bagnole. Mais alors regardez la bagnole que j'ai. Mais c'est quoi? Mais ouais, d'accord, bah certes, mais et après. Je l'ai volée. Ah, je l'ai volée, elle était cassée, je l'ai réparée. Oh, t'es un bon de fou. Bah, les gars, je monte avec vous, je vais la cacher. Non, attends. Attends, mais tu vas la cacher où? Pourquoi faire? Voilà, je la garde aujourd'hui. Voilà, je l'ai pas répété pour rien. On dirait il a trouvé un bon mot. Voilà, c'est à moi. Voilà, c'est à moi. Vas-y, allez cacher le véhicule, on se capte, d'accord? Vas-y. Let's go. À gauche, après. Tout droit. La voiture, un tournant, y'a plus de voiture. Moi aussi j'en ai acheté un nouveau là. Bah vous faites quoi? Bah en ligne droite, ouais, vas-y bien, on prend du virage. Non. je la gare là, venez, je la gare là. Mais non, mais t'es faux, on va la voler, mais là dans un garage, je croyais. Qu'est-ce qu'il est con. C'est grave. Attends. T'es trop. Tu roules vite là, non? T'inquiète. Il est fou. Vas-y. Elle n'arrive pas. Alors mon con! Bon, décale, j'ai un endroit pour la garer si tu veux. Ouais, mais attention, c'est une voiture volée. Oh merde, il est flics. Choc la police! C'est une voiture volée, hein! Voilà, c'est une voiture volée, le mec devant là. J'ai essayé de l'arrêter, mais c'est un chopard, il est très dangereux. Ok, merci. Je vous en prie. Et regardez comment il roule! Allez hop, ça c'est fait. Hop là! Oh! C'est ma place, tu bouges de là! Eh non, mais attends, mais je me fais courser là! Bah ouais, mais c'est bon, ils sont partis, tu les as semés. Voilà, on la garde là. Voilà. Mais... Allez chez Walid. Walid, garde-la chez toi, croyant. Ok, vas-y. Eh oui, va. Oh, viens voir, tu vas voir.
Oh là là, que de l'exclusivité là. Attends, t'as pas vu celle-là, je crois. Celle-là, c'est la MRU GTR. Et celle-là, regarde, une voiture électrique. C'est quoi ça? Une voiture électrique. Allez, quand on arrive en ville. Un bombarde, hein. Ouf, laisse tomber, vas-y, attends. Faut que j'aille à la custom d'ailleurs. C'est un prisme. Oui, ministre, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Si pour un custom, ça va très disponible. Il y a personne encore, monsieur. Pour mais les putain, custom. Mais c'est grave ça. Ouais, vraiment, c'est très grave. Attends, bon, bah vas-y, c'est pas grave. Merci beaucoup. Il y a pas de problème. Salut. Bénice, il y a personne pour faire les customs. Ouais, il y a personne. Bonsoir. Harmonie, bonsoir, comment allez-vous? Ça va, Imhotep, et vous, tranquille. Ça va, ça vous êtes disponible pour un custom, monsieur? Ouais, 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 je suis au garage. Allez, j'arrive, T-suite. Ça marche, T-suite. Bah, go Harmonie. Hein. Mais toi, t'es quel type de meuf, là, en vrai? De quoi, quel type de meuf? Bah, en fait, moi, j'étais toujours pris pour une micheton, mais vas-y, en fait, c'est quoi ton vrai caractère? Je réclame pas l'argent, c'est l'argent qui vient à moi, tu comprends? Mais j'attire l'argent. T'attires l'argent, mais comment? Ça veut dire quoi, t'attires l'argent, wesh? Attends, on peut s'arrêter vite fait, je faire quelques photos, parce que, en fait, là, si tu veux, j'ai mon oncle à moi, Pablito Janez. Il est mort dans cette prison, ils l'ont mis dans la chambre de gaz. Putain, ça me travaille le cul, cette histoire, je te jure. Il avait rien fait, hein. C'était soi-disant un grand trafiquant. Bon, ça, on verra quoi. Mais Vanessa, toi, t'es un mec en ce moment? Non. Tu veux être ma meuf ce ou pas? Ce soir, du coup, j'ai Walid, quoi. Non, mais tu veux être ma meuf en CDD ou en CDI? Ah bah ça dépend ce que tu proposes, hein. Bah je sais pas c'est quoi la différence, quoi. Bah ça veut dire que CDI, il n'y a pas de date de fin, CDD, il y a une date de fin. Si admettons tu me dis je suis ta meuf jusqu'à jeudi prochain, t'es plus mon mec, quoi. Ah ouais, non, c'est chaud, ouais. Après je vais devoir changer et tout. Ouais. Bah ouais, voilà. CDI, tu peux, mais après il y a un préavis. Vas-y, alors attends, je vais noter ça. Du coup, dis-moi, pour le CDI, c'est quoi les conditions? Tu me prêtes au moins une voiture par semaine. Je peux te prêter n'importe quelle voiture? Ouais, tant qu'elle va à plus de 200. Mais attends, t'as dit que t'étais pas une michto. Ok, c'est quoi les autres conditions, vas-y? Le logement? Ouais, parce que ma location se termine jeudi. Et il faut que j'ai un logement. Un petit appartement, quoi? Ouais, voilà, un truc bien, quoi. Au moins avec une piscine, hein. Donc en fait tu veux juste ou dormir et ou rouler, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais t'as déjà le temps, donc c'est bon. Après j'ai pas dit que j'allais arrêter de travailler. Oui, mais j'aime bien changer. T'es une meuf fidèle ou pas? Ouais. Genre ouais, comment? Genre fidèle comment? Comme une michto ou bien un mec qui comme un chien, quoi. D'accord. T'es obéissante, quoi. Ouais, voilà, t'es censé avoir qu'un seul mètre, quoi. Tu vois. Ah voilà, ok, là ça me va. Ok. Comment on doit se checker la main? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je pense que je dois signer, non? Vas-y on signe le pacte. Ok. Check. Alors là c'est bon. Ah ouais, là c'est signé. Là c'est signé. Là c'est acté, tu vois. Ok. Ça veut dire là, si je trouve avec un mec, je te bute, quoi. Ah tu me butes. Là de toute façon on a signé. Hein. Là on est parti sur un CDI. Ok. Hein. Ah CDI, eh oui. Ok. Eh ben oui. Mais il y a un préavis, hein. C'est 72 heures. Hein. Comment ça 72 heures? Bah ça veut dire que si admettons tu dis que tu veux plus de moi. Ouais. Faut qu'on attende 3 jours avant de vraiment plus être ensemble. Ah oui, d'accord. Ouais, Walid. Ouais, c'est bon, j'ai l'argent. D'accord, ok. Vas-y, ça marche. Bah, on se capte, tu m'envoies une petite pause, j'arrive. Non, je vais juste custom mon véhicule et je suis là, ok? Ouais, tu me dis quand c'est bon. Vas-y, beau gosse, t'y suis. Ok, vas-y. Comment je vais l'annoncer à Walid? Parce qu'il va mal le prendre, lui, non? Ouais, il va sûrement vouloir me buter, moi. En tout cas, t'es prévenu, hein. Moi, j'aime pas les trucs bizarres et ouais, tout. Ouais, ouais, ouais. Eh ouais, je suis pas un mec facile, hein. Eh, Van, par contre, personne doit être au courant, d'accord? Non. Ça reste entre toi et moi, ok? Vas-y. Genre devant tout le monde, on est en mode pote, on se check et tout. Et mais après, t'inquiète. Ok, vas-y. Let's go. Et voilà, monsieur. C'est une voiture que Elon Musk m'a vendue, quoi. Peux me mettre full custom, s'il te plaît, full perf, ouais, vitre teintée, full black, fais-moi péter le compte bancaire, quoi. Putain, là, on est bien énervé. Là, ça pète, là. Au plaisir, un big up, bonjour à Elon. Bah, merci, bah, le bonjour aussi. Hein. Allez, on va aller fêter ça, hein. On va aller au bar, là, on va se bourrer la gueule. Salut les mecs, ça va ou quoi? Ça va et vous? Ouais, tranquille, on est là. On est là pour fêter un petit événement. Et on a grave soif, quoi, si c'est possible d'avoir un truc à boire. Qu'est-ce que je vous sers? Vas-y, Van, tu veux boire quoi? Vous avez un whisky sans alcool? Moi, je prends en direct. Hein. Ah, j'ai pas whisky sans alcool. Bon, bah, vas-y avec d'alcool alors. Bah, va pour de l'alcool. On va pas faire le difficile, hein. Et madame, j'ai un burrito si vous voulez. Allez. Ah, ouais, putain. Et bah, elle est vendue. Il y a un gros serpent là. C'est quoi ça? Ouais, je pense que c'est un crotal, ça. Et on a l'impression qu'il est mort parce qu'il ne bouge pas. Bah, tant mieux, tu vois. T'aimes vraiment pas les serpents? Ben je le trouve bien, genre là il est bien, mais genre là-bas il serait pas bien, tu vois. Ouais, c'est mieux en fait de le relâcher, hein. Je vais le relâcher. Non. Messieurs, c'est combien pour relâcher le crotal là que vous avez dans le vivarium là? Ben on va pas le relâcher. Mais non, mais le pauvre, regarde, il est en train de souffrir, il... C'est John Junior, pas le relâcher, c'est John Junior. Laissez-le là, il rigole. Non, moi je vais le prendre, je vais le foutre dans le désert parce que là franchement et ça me fait mal au cœur. Mais il peut pas être remis dans le désert. Pourquoi? Il a été abandonné, il risque de se faire manger direct. Oh, tu vois, c'est un animal sauvage qui a été abandonné, bah oui. Mais faites-le vivarium un peu plus grand, quoi. Portez-le un peu, tu le promènes un petit peu avec sa laisse, quoi. Ça, mais non. Non, mais là c'est abusé, quoi, regarde le pauvre.
Non, ça me fait mal au cœur. Hein. Les gens comme ça qui prennent pas soin des animaux, moi ça fait péter un câble. On est somme au Jack Yellow, d'accord? Oui, Yellow donc, Jack. Oui. Ouais, Yellow Jack, donc j'arrive, commande mon petit mojito, jusqu'à là tout se passe bien. Je vois qu'il y a un petit serpent, il y a un petit serpent dans le vivarium. Je dis quoi? Oui. Je dis ok, je le rachète, comme ça je le fous dehors. Il m'a dit non et tout, ça se fait pas. J'ai dit attends, il était en train de vivre dans 4 km² là, dans le désert. Maintenant tu peux dans un vivarium de 3 m². Moi ça me fait mal au cœur, moi j'en ai marre. Oui d'accord, ok, donc, du coup dites-moi. C'est de la maltraitance animalière, monsieur. Maltraitance animalière, mais faut appeler la SPA pour ça, monsieur. La quoi, la SPA? C'est quoi ça? La SPA, oui, c'est le truc pour les animaux, la protection des animaux. D'accord, donc la police s'en bat les couilles, quoi. Bah, pour des animaux, c'est quoi votre nom, monsieur? Moi c'est Mathieu Ranez. Mathieu Ranez, voilà. D'accord. Mais, venez vite, sinon je vais faire un carnage dans ce putain de bar là. Comment ça vous faites un carnage? Je suis à deux doigts de te faire péter là, j'en ai marre. Il y a trop vite, vous pouvez passer au Yellow Jack en vif, s'il vous plaît, on est à côté. Il y a un mec qui veut faire des dingueries au Yellow Jack. Là je suis clairement le danger. Là c'est moi le danger là. Mathieu Ranez il s'appelle. Ouais Mathieu Ranez ouais. Je suis en orange, je suis habillé en orange. Et je suis un mec hyper énervé quoi. On arrive monsieur, on est là dans 100 mètres. Oh t'es dans la merde. Oh t'es dans la merde. Regarde le trash de sang, regarde. T'as vu comment il a saigné? C'est grave. Oh. Maltraitance animalière, ça me dégoûte. Non mais sérieux quoi. Ouais c'est moi qui a appelé le CSO là. Ouais. Maltraitance animalière. Il y a un animal dans le vivarium là, il fait beaucoup trop chaud pour lui le pauvre. Il faut le relâcher. Il part de John Junior. Oh, oui c'est ça ouais. Bonsoir messieurs dames, c'est le bureau des shérifs. Vérifier qu'il se passe rien à l'intérieur. Il est où ce serpent là? Non mais sérieux, vous trouvez ça normal là? À côté d'une table de billard? Non mais sérieux quoi, c'est beaucoup trop petit pour lui, regardez. Et est-ce qu'on pourrait parler au propriétaire là? C'est moi. Oui, on est là. C'est vous le propriétaire? C'est votre serpent monsieur? Vous avez les papiers qui vous dit. J'ai foutu la main en 10 minutes. C'est un serpent, vous verrez. Non, il est pas du tout en bonne condition, c'est faux. Ça me fait mal au cœur. Je vous dis, ça fait moi en tout cas tout ce qui est zoo. C'est vous qui avez appelé ça? Ouais, c'est moi. Si vous voulez, je vous donne un doliprane et vous arrêtez de casser les couilles. Bah non, c'est pour la tête, c'est pas pour les couilles, doliprane. S'il vous plaît, laissez le bureau des shérifs régler tout ça là. On va pas commencer à se faire tout la gueule dans un bar. Bah si, je suis chez moi, techniquement je fais ce que je veux. On prend une mesure de la température s'il vous plaît, extérieur, que ce soit à l'intérieur du vivarium ou à l'extérieur. Et on va transmettre ça au service compétent, d'accord? D'accord. Il était abandonné dans un petit machin, espèce de vieux seau là, je l'ai fait, je l'ai emmené au Non mais au c'est pas grave, je vais monter une association et puis ça va aller très loin cette histoire. Eh ben ça va. Au revoir monsieur. Ouais, au revoir. Mais est-ce que tu le promènes un petit peu? Je veux pas le promener, c'est un serpent. Mais alors, parce que c'est un serpent, on peut pas le promener, c'est quoi ce racisme? On peut lui acheter une petite laisse si vous voulez. Bah oui, c'est ça. Une laisse à un serpent, ça existe pas. Mais bien sûr que si, achète-lui une laisse et moi je veux le promener si tu veux. Non mais non, je vais faire ça, ça va faire plus de mal que de bien. Mais attends, mais regarde, mais il faut au moins faire 10 000 pas chaque jour pour la bonne santé. Il fait 10 000 pas lui? Pour nous, oui, mais pas pour un serpent. D'accord, donc toi, en vrai, t'es vraiment petit des cerveaux, toi, en fait. Hein. Et je l'ai récupéré dans un seau, les anciens propriétaires l'avaient foutu dans un putain de seau. Oh, les fils des pites. Bon, ça va pour cette fois, d'accord. Je laisse couler, d'accord. Allez, passez une bonne soirée. Allez. Désolé du dérangement. Pas de soucis, vous avez. Bah, y'a pas de dérangement, attends. Allez, sors. Quel dérangement, wesh. T'es venu fêter ça ou t'es venu foutre la merde? Ouais, un peu des deux. Oh, l'autre, je voulais juste le goumer, je voulais sortir et le goumer, mais vas-y, je dis, c'est bon, vas-y. Il est gentil. Ouais, allô. T'es où, t'es où? Bonne cassette. T'as pris l'argent, c'est bon? Ouais. Okay, ouais. T'as appelé Tarzan? Non. Bah appelle. J'ai pas le numéro de Tarzan, moi. Ah ok, bah je l'appelle, vas-y, j'appelle-le. Ouais, Tarzan, ça va ou quoi? T'es dispo? Ça va et toi? Ouais, je suis au pénis là, si tu veux. Bah, on se retrouve dans ton quartier, ça marche? Ouais, ça marche, on fait ça. Vas-y, c'est suite. Wesh, les mecs, ça fait quoi alors? Venez, on va chez les White, venez. Allez, monte. Laisse-moi la conduire celle-là. Mais jamais de la vie, t'es fou ou quoi? J'ai vu comment tu pilotais, t'es fou ou quoi? Ça va ou quoi mon pote? Ouais Mathieu. Ouais, t'as cet argent? Ouais. Ça va ou quoi? Salut. Oh là. Allez bien. Bah vas-y Walid, passe l'enveloppe. C'est qui là? C'est quoi? Toi c'est qui là? C'est qui toi? Toi t'es qui là? Tu comptes goût ou quoi? Toi. Ouais. Mais moi c'est Mathieu. Ah Mathieu, c'est Octavia, ça va ou quoi? Putain, mais tu m'as fait flipper, t'es malade ou quoi? T'es pas, tu veux pas me dire que t'es qui? Bah parce que je suis pas une pookie moi. Bah t'as pookie personne là. Bah non, mais je pookie pas mon blaze. Tardon, il t'a payé, c'est bon Walid? Ah c'est bon, carré bébé. Ah c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est carré, c'est carré. Ouais, c'est carré. Temps de business, t'as compris? Attends. Ouais, comment elle s'est fait cuire, qui t'es sale? Mais attends, mais frérot, c'est qui le patino derrière nous là? T'as compris? On est dans le putain de business, tu me ramènes la blanche tout à l'heure, sinon tu te tues. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Quoi? Mais tu racontes quoi? Tu parles à qui là? Mais si je vous suis, enfin ça va finir en prison, vous. Mais non, t'inquiète pas, je suis en train de monter un réseau. Ah d'accord, c'est quoi votre rendez-vous là? Là, c'est... Je suis en train de monter un réseau, c'est... là je suis en train de recruter. De la manger, tout ça. Des ouais, oui, bah oui, et des magazines. Oui, surtout, oui, principalement. Okay. Elle est là. À plus tard, vas-y Canet, trace. Attends, c'est elle qui veut qu'elle là? Trace. T'es sérieux, c'est elle qui veut qu'elle? Trace. Junior, c'est elle qui veut qu'elle là? Roule, vas-y. Bah oui, mais poussez-vous, je vois rien, mais j'ai pas de rétro les mecs, mais poussez-vous wesh. Oh, dis tout, c'est bon? Walid, on se capte à l'heure hein. Allez, bisous, madame. Ouais. Ils sont timides. Je crois que je vous ai sauvé la vie là carrément. Je crois que vous avez tué votre ami.
Non, 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 ils allaient vous soulever à mon avis. La vie de ma mère, c'est moi, je les aurais soulevés, c'est bon. Pourquoi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Asia. Ah, c'est toi, Asia, Walid, à chaque fois, il me parle de toi et tout. C'est ton mec. Ah, non, toujours pas, non, du coup. Hein. Excuse-moi, hein, il s'invente des vies, mais il s'invente des vies tout seul. On est d'accord, merci beaucoup. Ah, ouais. Walid ils arrivent? Ils arrivent, j'ai appelé les services. Ils arrivent. Ah, tu gères, vas-y. Ah, ouais, bah, c'est pas toi qui l'aurais fait, enfoiré. Bah, comment ça, enfoiré? Mais t'es sérieux, toi? Mais elle a pété un câble, elle! Mais sérieux, elle a pété un câble, celle-là! Délit de fuite, j'appelle personne, non mais elle est malade! Je m'appelle Mathieu Hanez, tu me retrouves quand tu veux, à tout à l'heure! Non mais sérieux quoi, un peu de respect, merde! Non, c'est des baisers ici, c'est des baisers! Oh merde, j'ai été flashé! Oh hein. Karma, oh merde! Du coup, ton appartement toi, c'est ça? Attends, non, mais... moi je suis en maison! Ah, tu veux une maison? Ah ouais, tu veux une maison! Mais attends, au pire, je te fous dans ma maison! Alors, tu veux celle-là à gauche là? Ou bien ouais. Celle-là ici? Celle que tu utilises le moins, du coup? Celle-là, je l'utilise pas trop. Ok, bah vas-y. Alors. Oh putain, l'ordinateur. Ouais, t'inquiète. Vas-y, signe. Vas-y. Vas-y, attends, je vais te demander un double des clés du garage et de la maison. Alors, du coup, l'agence, ça fait longtemps que je suis pas allé. Bonsoir, messieurs. Du coup, pour vous, tout va bien. Moi aussi, ça très bien. Qui paye? C'est moi qui paye, messieurs. Je vais avoir besoin de votre pièce d'identité, monsieur. Ouais, bien sûr, tenez. Du coup, monsieur, je vous laisse signer pour une double de clé. Hop là, c'est fait. En voici un, vous en voulez qu'un seul pour celui-là? Ouais, un double des clés, ouais, s'il te plaît, un seul. Merci beaucoup. Et voilà. Vas-y, Tiger, merci beaucoup. Vas-y, nickel, bah on vous déroge pas plus, merci beaucoup, monsieur. Y'a pas de soucis, très bonne soirée à vous. Au revoir, merci également. Bonne soirée, au revoir. Ouais, Audi, dis-moi, est-ce que t'aurais besoin d'un flic? On a un flic en otage là. Mais laisse-moi tranquille, mais t'es malade ou quoi? Mais pourquoi t'as pris un flic en otage? Mais il est monté sur le véhicule! On l'a pas obligé! Après, bien évidemment, on a juste pris sa radio, c'est le moyen de tout en fait! D'accord, t'es avec qui? Le J. Le J, ah ouais, d'accord. Et vous allez faire quoi avec les flics? Bah, je sais pas, j'essaie de contacter, c'est de savoir si. Oh, je vais appeler les whites s'ils en ont besoin. Mais ouais, mais tiens, moi je vais faire quoi avec un policier? J'ai besoin d'argent. Walid, tu sais ce qu'il a fait? Non. Il a kidnappé un flic, ce con. Non mais lui, il est... j'en connais des cons, hein. Mais lui, putain, c'est vraiment le mec. Ah ouais. Il m'a dit, tu le veux? J'ai dit, tu veux que j'en fasse quoi avec ça? Ouais, allô? Ouais, toujours en vie? Ouais, c'est bon, toujours, c'est bon. T'as des flics coquets ou quoi? Non, rien du tout. T'as fait quoi avec le flic alors? Bah, je lui ai pris une bouteille de champagne, c'est tout. Ah, tu lui as pris une bouteille de champagne, putain, mais t'es un braqueur galant. Un dollar aussi, je lui ai pris un dollar. Un dollar, ouais, pour le geste, voilà. T'as raison. Ouais, vas-y, Roya, ça marche. Vas-y. Rappelle-moi de plus jamais te contacter, Roya. Mais t'es où? Il est malade, lui, ou quoi? Il fait des bails bizarres, lui, je te jure. Tac, ok. Ton véhicule, on va le récupérer. Parking rouge. Ah, tu l'as garé là-bas? Ouais, enfin, en face. Ah, oui, d'accord, oui. Vas-y, là, on est bien, là. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, à demain. À demain. Et allez, salut. Allô? Il y a une meuf, mais je peux pas te dire c'est qui. Eh bah tu vas clairement me dire c'est qui parce qu'il y a pas de ça entre nous. Je peux pas te dire c'est qui parce que c'est un secret. Mais moi aussi je connais des secrets que toi tu connais pas. Ah ouais, comme quoi? Vas-y. Tu commences et je finis. T'es où? Le parking central. Viens à Armurerie là, conseil Soto. Armurerie. Vas-y, arrive. Du coup, pourquoi vous avez pris le flic là en otage? En fait, il y avait une manif anti-radar, tout ça. On a sauvé deux mecs, un Andrew et l'autre, je sais plus. Attends, venez avec moi le mec, je vais vous montrer un truc de fou. Venez. On va où là? On va prendre un avion? Ouais, je vais vous montrer un truc de fou là. Yes! J'ai peur. Non. En fait, les gars, écoutez, parti dans le nord tout à l'heure, il y a un business de fou. Oh, attends. Quel genre de business? Ben justement, ouais, une image vaut mieux que des mots, comme on dit. Allez, montez. J'ai fait un scandale au Yellow Jack tout à l'heure. Ils avaient un reptile, le pauvre, dans le vivarium. Ils ont pas voulu le sortir. Oh non. Bah oui, c'est des chiens, ça se fait pas. Je sais pas, ils voulaient pas. Canaise. Ouais, c'est moi. Y'a du vin derrière, je peux me servir. Bien sûr, fais-toi plaisir, bien sûr. Ouais, tranquille. Vous avez fait quoi pendant mon absence? On a eu un entretien avec... Attends, on m'appelle. Allô? Hola. Ça va bien, Oudou? Il a tué dans mon putain de yacht privé pour le moment. Mais frérot, pourquoi il part à chaque fois comme un mec du Mexique, là? Il se prend pour un chef. Mais voilà, il a pété un câble, lui. Attends, mais ton espérance de vie, là, elle va être de 4 minutes, là. Non, t'inquiète pas. C'est parce qu'en fait, j'ai regardé tous les films, t'as les trucs de fou, là. Et franchement, je me suis dit, un jour, je serai comme eux. Ness? Normalement, si tout se passe bien, je me retrouve en enfer. Khanez. Il a pété un câble, lui. Allez, bon courage. Hop là. Voilà. Anas, je suis en train de béton encore. Mais c'est Khaled, c'est Khaled. Anas. Walid, vas-y, viens, sors. Je suis sorti. T'es sorti? Ouais, je suis sorti. Allez, bonne soirée, bisous.